Bonjour, voici les tirages défis pour la mi-avril. J'espère que ces tirages vous apporteront des outils de réflexion et de progression utiles dans la situation qu'ils décrivent. Je vous remercie de toutes les marques de soutien, d'encouragement, de gratitude que je reçois, à plus forte raison à présent que je les reçois au quotidien. Restez concentrés sur ce que vous êtes et puisez dans les outils que je mets à votre disposition. C'est ma plus belle récompense. Si vous souhaitez des éléments astrologiques sur cette mi-avril, vous pouvez écouter la vidéo de la nouvelle lune qui couvre la période actuelle jusqu'à la pleine lune. Vous pouvez aussi écouter mes tirages quotidiens puisque je développe l'astrologie du jour au début du tirage. À présent, nous allons nous concentrer sur ce que l'oracle via Enchanted Map voit comme énergie dans votre vie, et vous pourrez me suivre sur Vimeo pour entendre ensuite une description plus précise de la situation avec les cartes du Lightseer Tarot. Merci de m'avoir écouté, à tout de suite. Voici donc votre tirage défi pour ce mois d'avril, Amis Poissons. Au centre de ce tirage, vous avez la carte Details, Details. Vous avez une situation face à vous qui requiert votre attention, votre discernement, qui requiert une décision. Dans la carte de conseil et par ailleurs dans le tarot, une décision est nécessaire. Vous devez effectuer un choix, qui est représenté ici par Coming Apart. Décidez si vous allez à gauche, si vous allez à droite. Et pour cela, les cartes vous conseillent de vous concentrer sur les détails parce que c'est l'effet loupe sur les détails qui amènera la clarté. C'est une carte qui souligne, comme on le dit communément, que le diable est dans les détails, qu'il n'y a pas plus révélateur qu'un détail. Un détail permet de voir avec clarté ce qu'il en est réellement de la situation. Et c'est d'autant plus intéressant que vous avez la boussole, parce que quand on voit les choses clairement, on prend une décision, on prend une nouvelle direction. Et c'est ce que les cartes vous encouragent à faire. Compass. Vous êtes encouragé à prendre une décision qui mettra fin au doute, qui mettra fin à vos inquiétudes pour aller là où vous désirez aller, où vous avez toujours voulu aller. Ça, c'est une très belle carte, celle de Compass, parce que une fois que vous avez dressé un bilan, un bilan de la situation, vous voyez clairement ce que les choses sont et vous pouvez prendre une décision, et les cartes vous disent de prendre une décision qui vienne de l'intérieur, qui vienne du cœur. C'est ce feu intérieur ici qui est représenté sur la boussole en question. Parce que cet oracle vous encourage à devenir la meilleure version de vous-même, vous encourage à aller dans la direction dans laquelle vous savez que vous allez vous épanouir, que vous allez pouvoir vous exprimer, que vous allez pouvoir vivre profondément ce que vous désirez vivre. Et pour les cartes, c'est ainsi que vous pourrez enfin avancer. Quelle que soit la situation de départ, Movement vient vous garantir que une fois que vous aurez fait le tour de la situation, que vous l'aurez vraiment étudiée, que vous l'aurez vue avec clarté, vous saurez dans quelle direction aller, dans quelle direction vous pouvez trouver ce que vous voulez trouver. Parce que tout ce tirage tourne autour de cette boussole, de ce que vous portez en vous, entre une situation statique que l'on étudie et
une progression ici. Donc la première carte d'oracle et la carte d'évolution qui est la dernière des cartes d'oracle. Ce qui s'offre à vous, c'est le choix de ce qui vous ressemble. C'est le choix de ce que vous êtes. C'est le choix de ce que vous rêvez de faire et d'accomplir. Vous avez un excellent tirage. Le tarot vient souligner cela. C'est un choix que vous appréhendez, c'est un choix qui est difficile. Mais les cartes, je ne vais pas vous détailler d'ores et déjà ce qu'il y a en dessous, mais comme les cartes d'oracle, les cartes de tarot vous disent qu'il y a des portes, qu'il y a des portes qui sont ouvertes, qu'il suffit de les voir et de décider laquelle vous allez franchir. Vous avez un tirage qui vous demande d'être vous-même. Et ça, c'est à la portée de tous. C'est à la portée de tous et c'est tout le bien que je vous souhaite. Parce que, quel que soit le choix, quelle que soit la situation de départ, ça, et ça vous inquiète à plus d'un titre, vos choix vont être déterminants ici. Je vais arrêter là pour cette partie du tirage parce que je suis en train de commencer à planter le décor du suivant. Donc pour ceux qui le désirent, vous pouvez me suivre sur Vimeo, je vais vous donner un peu plus d'éléments sur cette situation. Pour tous, prenez soin de vous, analysez ce qui... conscientisez vos choix, analysez les situations pour pouvoir faire des choix en conscience. Et surtout, faites-vous confiance. Parce que plus vos choix sont authentiques et plus la progression sera dans la direction que vous désirez ou vous désirez aller. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo et vous pouvez aussi me rejoindre sur Vimeo. Peut-être à tout de suite. Au revoir.